Et rebonsoir à tout le monde. Donc, après avoir vu comment symboliser les puits de forage avec les informations de la minéralisation, avec les ténères tout au long des puits, nous voyons qu'ici, actuellement, on a des puits de forage qui sont affichés avec les ténères. Quand on regarde bien, vous voyez. Donc, ça, ce sont les informations des ténères qui sont en couleur. À présent, nous allons voir comment afficher les puits de forage avec les informations lithologiques. Donc, vous voyez, quand vous prenez cela, vous voyez, il y a cette couleur-là. C'est toutes ces couleurs-là, c'est ça, c'est la symbolisation des ténères. Donc, maintenant, nous allons voir la même chose, mais cette fois-ci, comment faire pour les lithologies. C'est à peu près le même processus parce que vous savez que de la même façon que pour digitaliser la minéralisation le long des puits de forage, vous devrez afficher les puits de forage avec la minéralisation. Donc aussi pour digitaliser les formations lithologiques le long des puits de forage sur une section, vous devrez aussi afficher les puits de forage avec les informations de la lithologie. Et comment faire ce travail? Comme je vous le disais tout de suite, une fois que vous avez activé votre base de données à l'interface de SurPAC, vous allez toujours dans la fenêtre là au niveau de Dreadhole Display Style. C'est la même fenêtre qui a été utilisée pour faire la symbolisation des ténères. Nous allons utiliser la même fenêtre encore pour faire la symbolisation pour les lithologies. Donc, Display Dreadhole Style, quand vous cliquez sur la fenêtre qui s'ouvre, vous savez que la dernière fois, on avait pris AC. Donc, AC, on avait pris Geology, où on a créé ces différentes classes de ténères-là. Mais cette fois-ci, on ne va pas prendre AC, on va plutôt prendre Geology. Et on sait aussi que dans la table Geology, on a les informations lithologiques dans le champ roc. Au niveau du champ roc, nous avons ces informations. Donc ici, vu que déjà lors des travaux, nous avons ces informations, on a noté ces informations. Les informations lithologiques le long des puits de forage ont été notées dès les travaux sur le terrain. Maintenant, on va tout simplement faire afficher ces informations. On ne va pas créer des codes lithologiques. Les codes sont déjà là. Donc, nous allons tout simplement récupérer ces codes lithologiques. Comment vous pouvez faire pour récupérer automatiquement ces codes lithologiques? Donc, dans le champ qui contient ces codes lithologiques, vous allez cliquer droit et vous partez au niveau de l'option Get Field Code. Au niveau de Get Field Code, dès que vous cliquez, vous ouvrez la fenêtre. Et automatiquement, le logiciel récupère les codes lithologiques qui sont dans votre table des lithologies. Donc, ici, dans notre cas, voici les codes, le code BINNUQV1S2SHEST. Donc, une fois que vous avez récupéré ces codes lithologiques, maintenant, vous pouvez paramétrer chaque code lithologique. C'est-à-dire que pour chaque code lithologique, choisir la couleur qui va représenter celle-ci. Et ensuite, tout ce qui va avec. Donc, ici, par exemple, nous, pour le code B, on vient aussi au niveau des graphiques color, on peut garder cette couleur-là qui est déjà là par défaut, ou bien si on veut, on change. On peut prendre, par exemple, on prend green. Green, ce n'est pas bien écrit. Green. Et on prend le premier symbole, on reprend encore green. Et là, au niveau de la ligne, de la même façon qu'on a fait au niveau des informations AC, on peut aussi agrandir l'épaisseur. Ensuite, on va au niveau du deuxième code. Là aussi, on peut prendre par exemple yellow. Yellow. On choisit un code, prend ce deuxième. Ensuite, on écrit aussi la même couleur, yellow. On agrandit l'épaisseur de la ligne.
On l'amène à 3. Clique OK. Et on va au niveau du troisième code. On peut prendre red, la couleur rouge. Donc on prend red. Et on a agrandi aussi. Ensuite, on continue. Quatrième code, le QV1. Donc là aussi, on va prendre une couleur. On peut prendre pink. C'est juste des couleurs que je prends dans le hasard. Voilà. Donc, pink. Pink. On va agrandir. Pour ceux qui ont suivi la partie sur comment faire la symbolisation avec les ténères, cette deuxième partie va devenir pour vous tout simplement un jeu. Parce que c'est la, nous répétons les mêmes manipulations. Donc on peut prendre maintenant gray. Ou bien on peut prendre quelle couleur? On peut prendre on a déjà pris pink, je pense. On a déjà. Bon, on va prendre purple, je pense que c'est une couleur. Ou bien, si vous voulez, pour prendre les couleurs, vous cliquez à l'intérieur ici, graphique color, et vous choisissez une couleur ici. On peut prendre cette couleur. On clique OK. Et là, donc, c'est la couleur black. Est-ce que la couleur black est bonne? Vu que l'interface d'affichage est déjà noire. Donc, on va changer la couleur black. On peut prendre celle qui est là. Donc, celle qui est là. Et on clique OK. Et on reprend la même couleur ici. C'était ici. Voilà. Et là aussi, on va changer l'épaisseur de la ligne. Donc, on prend à 3. L'avant-dernier code. Là aussi, on peut prendre quelle couleur encore? On peut prendre. Voilà, donc ici, nous allons prendre blue. Blue. Et ici aussi, on prend blue. Ici, pour le code, on choisit ça. Et on va agrandir sur l'épaisseur. C'est bon. Et le dernier code, on prend ici les noms des couleurs en anglais. Indigo, je prends ici indigo. Indigo. Et je prends ce symbole-là. J'agrandis l'épaisseur. OK. Et est-ce que on avait pris ici on n'avait pas pris de là. Donc voilà, je viens de paramétrer les codes lithologiques. Pour chaque lithologie, je viens d'attribuer un symbole et une couleur. Maintenant, une fois que vous terminez ce travail-là, vous allez cliquer sur « Appliquer » pour valider tout ce travail. Vous cliquez sur « Appliquer ». Ça nous dit ici...
prendre ici. Je peux prendre black. Pas black. Je prends plutôt white. Donc, j'ai changé la couleur qui est là. Maintenant, je prends appliquer. C'est appliqué. Maintenant, la deuxième chose que vous devrez faire, vous devrez aussi partir de la fenêtre Display Drihold. Et là, vous partez au niveau de Geology Pattern. Et là, les mêmes champs que vous avez pris pour définir les styles, vous allez les prendre ici. Ici, on va prendre Geology et le champ Rock. C'est ce qu'on avait pris au niveau de la définition des styles. Et donc là, on va cliquer sur Appliquer. Et là, maintenant, il reste aussi au niveau. Maintenant, quand on va prendre le bouton de zoom et on va essayer de zoomer, vous allez voir que cette fois-ci, les puits de forage ont été symbolisés avec les codes lithologiques. Tout au long des puits de forage, nous avons les couleurs qui co correspondent à la lithologie des puits de forage. Et donc, maintenant, pour faire aussi l'étiquetage, c'est-à-dire ici, on voit que les puits apparaissent avec les codes lithologiques, mais il n'y a pas les étiquettes qui montrent ça. On peut aussi amener les étiquettes. Donc, vous partez aussi au niveau de, toujours de, au niveau de Display Drihold. Et là, vous partez pour les étiquettes, vous partez au niveau de label. Label signifie étiquette. Donc, les étiquettes, vous allez prendre toujours la table géologie avec le champ rock. Donc, le champ rock, la position, l'alignement. Et ici, on a la taille des étiquettes. On va prendre, par exemple, comme exemple, taille 4. On va prendre la taille de 4. Et là, on va maintenant appliquer cela. Et si on veut, même, on peut essayer aussi. Ici, on met Geology avec les roches, et au niveau d'ici, on peut prendre 4, c'est juste un exemple, et on clique appliquer. Et là, si on essaye de router, vous voyez. Les puits de forage maintenant apparaissent avec les codes lithologiques et aussi les étiquettes des lithologies. Maintenant, ce qu'on va faire, supposons qu'on veut travailler sur une seule section, qu'on prend ici section et qu'on vient au niveau de Define. Et Define, on prend graphically avec 25 mètres de part et d'autre. On clique appliquer. On va prendre comme exemple la deuxième section. Donc, regardez la deuxième section. Sur la deuxième section, on voit que voici les lithologies qui sont là. Nous avons les codes B et en bas SH. Deuxième puits de forage BST. Troisième puits S2. Ainsi de suite. Quatrième puits, cinquième puits, sixième puits, septième puits. Donc maintenant, si on veut digitaliser les lithologies, c'est-à-dire les affleurements le long des sections, il suffit de faire maintenant la corrélation entre les différentes puits de forage. Et donc ça, nous allons voir ça aussi dans un autre cours. C'était pour vous montrer ici comment montrer les puits de forage avec les codes lithologiques.
et les étiquettes, de la même façon qu'on avait fait pour la minéralisation aussi. Donc, voici aussi pour les codes lithologiques et les étiquettes des lithologies le long des puits de forage. Et donc, à la prochaine pour une nouvelle leçon. Merci beaucoup.